この少年が世界を救うというのか。オリバーはさ、なんで旅をしてるの？母さんを助けたいんだ。もっとちょうだい。ここは君たちの来るところじゃない。さあ帰ってくれ。お前ら懐くな懐くな。こらオリバー、ごめんね。滅びの運命を変えられるのならば見せてやる。最後まで見届けようではないか。Bonjour, bonsoir à tous, c'est Richter57 et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo, à savoir une critique concernant le jeu Ni no Kuni, un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Donc Ni no Kuni, sorti sur PS3. Donc je me présente rapidement. Je suis un gros gamer, je joue à la console depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gosse, depuis que je marche presque. Donc j'ai connu l'Amstrad CPC à cassette et ses temps de chargement, la Famicom, l'explosion des consoles portables, la grande époque des consoles 16 bits, l'arrivée de la 3D, bref, la fin de Sega et de sa Dreamcast, malheur à eux. En résumé, je suis passé par toutes les machines qui valaient le coup, j'ai bien eu de la chance. J'affectionne tout particulièrement Nintendo et les développeurs japonais. Bah parce que tout simplement, si le jeu vidéo il est ce qu'il est, c'est grâce à eux. C'est clair, c'est net, en plus d'être la VLT. Donc au niveau de mes vidéos, donc il y aura des vidéos sur donc des jeux récents et d'autres tests sur des jeux plus rétro. On peut dire des classiques. Il y aura des chroniques spécifiques, donc sur des sujets bien choisis, qui j'espère vous intéresseront. Donc par exemple, le phénomène du rétro gaming, son engouement, parfois ses dérives. Il y aura une chronique sur le jeu vidéo et l'art. Parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est l'huitième art. Tout comme le cinéma a sa place de septième art. Pas photo, c'est le jeu vidéo, c'est l'huitième art. Au niveau des tests, donc je ne mettrai aucune note. Parce que tout simplement, je n'en vois aucun intérêt. Je vois aucun intérêt à le faire. Ça sera quasiment toujours du 19,5 ou du 20 sur 20. Parce que je ne vais tester que des hits, que des très très bons jeux. Je ne vais pas m'emmerder avec des daubes, des jeux pourris, quoi. Précision, pour les mauvaises angles, s'il y en avait, je ne roule pour personne, je ne suis pas corrompu, bien évidemment, ça c'est clair et net, et je ne suis pas payé pour ce que je fais. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est Ni no Kuni ? Ni no Kuni, il appartient au genre des RPG animés. Son nom l'indique, c'est la concaténation de RPG et de animé. Donc vous prenez d'un côté un dessin animé, un long métrage scénarisé, même très très bien scénarisé, parce que le scénario a une place très très importante dans ce jeu. Et vous imaginez, donc quand je vous parle d'un long métrage scénarisé, vous pouvez, c'est du même acabit que des sorties au cinéma. Et imaginez que vous soyez le héros de ce dessin animé, et vous puissiez vous déplacer dans l'environnement. Donc voilà ce que c'est déjà le côté animé du RPG. Ensuite, RPG, c'est des jeux tour par tour. Donc ça a été beaucoup démocratisé grâce à Final Fantasy VII, hein, le très connu Final Fantasy VII.
de Squaresoft qui est sorti il y a à peu près de ça 15 ans sur PlayStation. Et c'est là que je me rends compte que ça fait déjà 15 ans. Hein. Là, on commence à devenir vieux. Hein. Et bien ce jeu là, ça a été une vraie claque hein, le jour de sa sortie. Quand il est sorti, bah parce que c'était vraiment, la réalisation était pareil, exceptionnelle. C'était un des premiers jeux avec des images de synthèse, et le système du RPG, c'est vraiment prenant. Donc un RPG, c'est un jeu de combat au tour par tour. Donc c'est-à-dire que bah, c'est stratégique. Donc vous faites une action, soit vous protégez, soit vous attaquez, soit vous soignez un coéquipier, parce que la gestion se fait donc au niveau des points de vie, des points de mana. Pour ceux qui connaissent, ils sauront de quoi je veux parler. Il y a les points de mana et les points de vie de vos coéquipiers qu'il faut gérer. Il faut gérer votre équipement qui évolue constamment. Votre personnage évolue aussi constamment, ainsi que, bah, que les partenaires que vous avez lors de la partie. Parce que c'est toujours des teams. Hein. C'est toujours des teams. Et donc voilà, donc c'est un côté vraiment stratégique. À l'époque, je me souviens, avant de pouvoir y jouer, j'avais une petite appréhension. Parce que tout le monde disait que c'était dur, que c'était compliqué, qu'il y avait des menus partout, qu'il fallait, que c'était vraiment complexe. Et bah, c'est comme l'appréhension que j'avais par rapport au jeu d'échecs, c'est relativement accessible. À ceci près que ça a été fait pour. Dans ce qui est au niveau RPG, ça a été fait pour. Je m'explique. Au début, imaginez un jeu d'échecs, vous jouez juste avec des pions, un jeu de dames. Et bien c'est la même chose dans les RPG. C'est là où les développeurs ont fait vraiment très très fort, c'est que c'est rendu accessible et que ça vous fait évoluer en même temps que le jeu. Et ensuite, le second point très important sur les RPG, c'est que c'est des jeux à énorme durée de vie. Final Fantasy VII, à l'époque, c'était 3 CD. C'était 3 CD et le jeu, c'était 70 heures, 80 heures, 80 heures de jeu. Pour bien le finir et encore. Hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, donc il y avait encore du rab. Hein. Donc voilà ce que c'est un RPG. Un peu pour les néophytes, ceux qui ignorent totalement le jeu, qui savent vraiment pas ce que c'est. Ben, voilà, concrètement, j'espère que je vous ai bien expliqué. Donc voilà, donc par rapport à Ni no Kuni, le système est vraiment très très bien fait, et il y a des petites choses en plus par rapport à RPG qui date bien sûr d'il y a 15 ans. Mais globalement, c'est toujours du tour par tour. Et c'est vachement péchu, c'est très, très 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 bien réalisé, et comme je vous ai dit, la prise en main est vraiment conçue pour, c'est vraiment, les développeurs ont vraiment fait un super boulot là-dessus, parce que bah, vous commencez à jouer, vous y connaissez rien, et à la fin, bah, vous arrivez à faire plein de choses, à gérer une team avec trois bonhommes, avec des objets, que vous pouvez utiliser les objets pendant les combats, vous pouvez utiliser la magie, vous pouvez vous mettre en défense, en attaque, enfin voilà, quoi. Vous verrez bien au travers de la vidéo. Alors pour ce qui est du contenu, moi j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, donc déjà là j'en dis beaucoup quand même dessus, donc ça me dérange un peu, j'ai envie que vous découvriez les choses par vous-même, donc je vais essayer de pas trop expliquer de choses, mais c'est vrai que ben, si jamais c'est du spoil, excusez-moi, je flouterai un peu les... je flouterai peut-être les menus, etc. Mais bon, je vais essayer de vous dire ce qu'il y a dans le jeu sans trop vous montrer du contenu. Donc par rapport à ce que j'avais prévu, je vais faire un peu plus léger, parce que bah, c'est vrai que j'ai pas envie de vous spoiler le jeu. Hein. C'est vraiment à découvrir. Donc de manière comment dire, 1, 2, 3. Donc je vais essayer de faire simple sans trop en dévoiler. Donc au niveau du contenu, vous avez des objets structurés en différentes catégories. Vous avez les objets, comment dire, vous avez les, bah forcément vous avez les équipements des personnages. Vous avez de la nourriture que vous pouvez donner à vos familiers. Donc les familiers, ce sont, bah, c'est le bestiaire en fait, les ennemis que vous rencontrez dans le jeu. Vous pouvez les apprivoiser, ça devient vos compagnons, et quand vous jouez, ben, vous jouez avec eux et vous les faites évoluer avec vous en fait. Et donc vous pouvez les nourrir, et en fonction de comment vous les nourrissez, ben, ils évolueront différemment. Voilà, j'en dis pas plus, hein, stratégiquement, ben, suivant ce que vous leur donnez à manger, et suivant quel familier vous choisissez de prendre avec vous, ça changera des choses. Donc voilà, ensuite vous pouvez interagir avec les personnages dans le jeu. Donc je vais pas non plus trop spoiler, mais vous pouvez modifier leur comportement et
et donc ça vous débloquera des choses. Au niveau de l'almanach, c'est là où sont contenus les sorts qu'Oliver apprend au fur et à mesure du jeu. Donc plus vous avancez dans le jeu et plus vous débloquez des sorts, donc vous pouvez par exemple vous téléporter dans le jeu après. Et comme j'ai dit, je vais pas trop vous spoiler. J'ai presque oublié de vous dire aussi qu'il y a un côté gestion de l'argent. Parce que dans le jeu vous avez de l'argent, donc vous pouvez aller dans des boutiques, vous pouvez acheter des objets, des équipements. Pour ce qui est de la partie réalisation, donc graphisme, musique, animation, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est magnifique? Donc s'il y a des gens qui ne trouvent pas ça magnifique, qu'ils aillent vite fait chez l'ophtalmo, quoi. Hein. Donc voilà, parce que la réalisation est vraiment superbe. Hein. Que ça soit les graphismes, rien que l'eau, j'ai même rien besoin de dire. C'est vraiment, le jeu là est vraiment magnifique. Je pense que la PlayStation 3 elle est vraiment au maximum de ses capacités. Les environnements sont variés, c'est travaillé, c'est grand. Hein. Il y a vraiment des choses à voir. C'est vraiment la map est quand même assez conséquente. Ça passe des déserts au monde enneigé. Regardez rien que l'aurore boréale derrière en arrière-plan. Donc voilà, puis ça c'est pareil, ce que je vous dis c'est à chaque fois des petits détails, mais même les moindres petits détails est travaillé. Franchement, je me demande si les gens se rendent compte du travail qu'il y a derrière un jeu comme ça. La quantité de travail et surtout la qualité du travail qui a été effectué. Moi je leur tire mon chapeau hein, à ceux qui font ça. Ceux qui ont fait ce jeu-là, donc voilà. Donc au niveau de la réalisation, c'est un 22 sur 20. Hein. Donc de toute façon, je pense que je l'ai déjà dit, mais si c'est pas le cas, je me répète, mais ce jeu-là, c'est le meilleur jeu de l'année 2013, toutes consoles confondues. C'est clair et net. Vous dire plus que ça, après vous avez juste à regarder la vidéo, et je suis vraiment désolé de pas capturer en HD. Hein. Je fais avec ce que j'ai, mais j'aurais préféré vous le montrer en HD, mais bon voilà, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Donc en ce qui concerne les musiques, évidemment c'est de l'orchestral, alors écoutez bien juste les musiques et les bruitages. Donc pour résumer, vous l'aurez compris, hein, c'est du 22 sur 20, du 23 sur 20, ce que vous voulez, le jeu là il est parfait, hein. Alors je vais quand même dire c'est pas des défauts, c'est des choses
je peux même pas dire des défauts, c'est voilà, parce qu'il faut dire quelque chose dessus, donc je me pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas de mode online sur, là, sur le mode de l'arène. C'est quand même ça, c'est quand même dommage. Alors j'ai jamais été pour les DLC, hein, mais si pourrait y avoir un DLC comme celui-ci, bah, ça ferait bien plaisir. Et au niveau des commandes juste pour le chaudron, pour faire plusieurs objets identiques, alors soit c'est moi qui ai mal utilisé la manette, ou qui ai mal utilisé la manette, ou c'est moi qui ai mal vu et qu'il y avait possibilité de créer plusieurs objets identiques d'un seul coup. Alors là, je retire ce que je dis, voilà, ça j'ai trouvé aussi un peu dommage. Sinon, voilà, c'est pas des défauts, c'est vraiment histoire de dire quelque chose, parce que bah, j'en ai fait que les louanges, et de toute façon, vous l'aurez compris, c'est le meilleur jeu de 2013, c'est le meilleur jeu de la galaxie, courez l'acheter, voilà, vous avez une PlayStation 3, bah, effectivement, il faut quand même aller l'acheter, quoi. Donc voilà. Ah oui, une petite aparté. Je voulais faire une petite aparté concernant Peggy. Mais c'est qui Peggy? Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose à leur système de notification. Alors j'avais pris une note, hein, mais bon, de toute façon, j'ai pas la peine de relire ma note. Si quelqu'un y comprend quelque chose, qui me fasse signe. Parce que quand je retourne la jaquette de ce jeu, je vois marqué violence. Je vois marqué dialogue obscène, enfin quelque chose qui s'en rapproche. Mais est-ce qu'ils ont joué au même jeu que moi? Alors si quelqu'un comprend quelque chose, hein, parce que franchement il y a des mystères dans l'univers, voilà, qui sont un peu plus compréhensibles que ça. Hein. Honnêtement, hein, si quelqu'un a compris quelque chose à Peggy, qui me laisse des commentaires ou qui me contacte. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis ben, j'en suis assez satisfait pour une première vidéo. Donc voilà. Et puis ben, en théorie, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain test. Donc ça sera sur PC Engine GT. Et ça sera Wind of Thunder. Donc voilà. Bon, là, la vidéo sortira à peu près d'ici 2 semaines, je pense. Donc voilà. Et bien sur ce, ben, à la prochaine. Et puis ben. Bah jouez, hein. Jouez et puis découvrez ce jeu si vous ne le connaissez pas. Donc voilà.